Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette intro. On va construire cette maison-là en deux épisodes. Je viens juste de la finir. Derrière la fenêtre Minecraft, il y a l'export qui est en route pour le premier épisode. Voilà ce que ça donne, j'espère que vous avez aimé. On va faire vite une petite visite pour vous donner l'eau à la bouche. Alors on va d'abord faire un petit tour à l'extérieur. Construction moderne, en bois, en laine, ça donne bien. Moi j'aime pas si mal que ça, c'est quand même assez cool. Et puis j'espère que vous allez aussi aimer, que vous allez aimer aussi l'étape de la construction. Voilà, à l'intérieur, je me suis dit, j'ai fait un petit trip, vous allez prendre cette maison pour de la survie. Alors j'ai rajouté des coffres, hein. Vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout obligé de le faire. Une petite cuisine avec une enclume, des coffres derrière, la prévision pour une petite descente ici, des coffres là. Et puis en haut, si j'arrive à monter, ça se passe comme ça. Un balcon qui donne sur en dessous, là, évidemment, en dessous. Voilà. J'espère que vous allez aimer. On va tout de suite commencer le premier épisode qui fait déjà une trentaine de minutes. Et puis voilà, on se retrouve pour le deuxième épisode. Ciao! Alors voilà, on va commencer cette maison. Merci de suivre ce premier épisode, donc. Et puis, je ne sais pas vraiment où est-ce que ça va aller. J'espère que vous allez suivre jusqu'au bout. C'est un test, hein, une nouvelle série que je fais là. Alors tout de suite, on va commencer avec les matériaux que je vais, avec lesquels je vais construire. On va prendre de la sandstone. Pas faire mon clic, ok, d'accord. De la laine, ça s'appelle. Ça va être plutôt pour la déco, en fait. Je vais prendre la skizzled sandstone. C'est un truc un peu plus décoratif. Ça peut être pas terrible. Je vais prendre aussi... je prends aussi de la cobblestone, un peu. Je vais prendre des blocs de verre, on en aura pas mal besoin. Puis je pense que je vais prendre ça aussi parce qu'on en aura besoin aussi, évidemment. Et puis le oak wood, ça on en aura besoin aussi, évidemment. Et puis je crois que ça sera à peu près tout. On va essayer de faire avec ça, hein. Donc l'idée c'est de faire une maison. J'arrive pas à faire time sets. Magic. Et on va déjà prendre des portes parce qu'on va commencer aussi un peu par ça. Et puis on va aussi un peu. L'idée c'est pas que je fasse une maison trop grande. L'idée c'est de faire une maison que vous puissiez aussi construire vous. Je sais pas vraiment comment ça va partir. J'espère que ça va bien partir, que ça va être assez sympa pour vous. Voilà, on va se lancer tout de suite. On va commencer un peu comme ça. Ici. Là, l'idée, c'est d'avoir la porte ici. Et puis là, on va commencer comme ça. Clac. L'idée, c'est toujours d'avoir un peu pas mal de profondeur. Là, le sol ira ici, donc. Et là, il y aura du verre. On va se la jouer comme ça. Je sais pas du tout combien ça va durer d'épisode, hein. Je commence vraiment comme ça, un peu à la one again. On verra bien comment ça part. Hop, on va mettre une porte là. Ça sert à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais... le sol sera à cette hauteur-là, hein. On est d'accord. Alors, hop. Là, je vais faire venir ça. Je sais pas tellement comment est-ce que je vais le faire venir. Peut-être comme ça, là. Ça peut être pas mal. Hop. Un peu de verre ici. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de maison de ce style là. Vous avez pu suivre. Bon, j'ai refait un petit peu de ce style là aussi pour mon. J'ai de la peine, hein, je suis désolé. Pour mon aventure solo, j'ai de la peine à faire deux choses en même temps. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'espère que je vais quand même bien pouvoir construire, faire quelque chose que vous aimez.
Si on se la joue comme ça. Hop. Un peu de profondeur. Un peu de profondeur. Si là on mettait par exemple du vert ici, là on part comme ça. Hop là. Un peu de... Hop là 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 là. Rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus. Si là je me disais si on fait part en vert comme ça, on fait une espèce de. Hop. Hop, hop, hop. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ça va quand même vachement plus vite qu'en survie, hein. Ça, je vous le dis. C'est vraiment un truc de fou. Ok, ensuite, là, est-ce qu'on a à bonne hauteur? Hop là, à bonne hauteur pour le mettre le plafond. Oui, donc on va faire ça comme ça. Toujours difficile qu'à l'extérieur, ça semble en relief. Et à l'intérieur, ben, forcément, il faut que ça soit quand même assez plat. Parce que sinon, ben, on ne sait pas tellement où caser nos trucs. C'est pas terrible, terrible. On va mettre ça une deuxième ici. Comme ça. Ce qu'on pourra faire, c'est ça comme ça. On va pouvoir mettre un voilà, ouais, c'est ça. Un buisson. Je cherche mes mots, je cherche mes mots. J'ai de la peine à faire deux choses en même temps, en fait. Pour ça, je suis presque un vrai gars, j'ai l'impression. Pas mal de peine, mais enfin bon, j'espère que ça ne vous embêtera pas. Ici, on va mettre du vert. Est-ce que là, on mettrait... On va faire ça comme ça, ouais. Hop, hop, hop. Et là, on va faire partir... Le bloc un peu plus haut là, parce que ça, le vert ici, on va le faire partir de l'autre côté de la maison aussi, comme ça, on va l'accompagner de la laine blanche, comme ça. J'ai vu qu'il y en avait qui utilisaient aussi du quartz dans leur construction, leur nouvelle construction. Franchement, aucune idée. Ou de la neige aussi, ça j'ai vu aussi. La neige, je sais plus où c'est le quartz. Oui, je sais, j'ai dû passer 25 fois dessus. Est-ce qu'il y a du quartz? Quartz. What is the quartz? The quartz. Et vu qu'on est en créative, on va pouvoir faire des trucs un peu plus sympas que simplement... What is that? Survival inventory. Oh, ok. Sympa, sympa. Sympa, bonheur. On va peut-être pas utiliser, on va pas cheater, hein. Bah écoutez, c'est quoi déjà? J'ai dit quartz. Ouh, ça a pas l'air, non? Ok, je sais pas. J'ai peut-être lagué, hein, ça c'est possible. Je suis pas mal un spécialiste. On va l'amener comme ça. Et là, ce qu'on va peut-être faire, c'est un. How are we gonna do that? Comment on va faire ça? Ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va peut-être... Donc là, on est en laine, hein. Si on faisait... Ça en bois. Comme ça, ça rajoute un peu, sinon ça fait vraiment trop blanc, ça fait trop propre. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Bah si, c'est pas mal. Ça a un côté aussi un peu plus texturé. Ça va rajouter... je partirai là, donc... Comme souci. Oh, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Par contre, là, on pige pas tellement pourquoi. Ouais, d'accord, ok. Ça marche. On va se la jouer comme ça. Et là, le plancher, on va le faire revenir un peu. Encore. Oh, lé, lé, oh, lé, lé.
Je sais pas tellement ce que je vais faire. Si je faisais. Ça, quelque chose comme ça, là. Et que là, je pourrais peut-être faire un balcon ou quelque chose, je sais pas. Non, peut-être pas maintenant, peut-être pas ici. Peut-être un peu plus tard, hein. Peut-être faire un balcon sur le côté d'une partie de la maison. Là, si on regarde, ça fait comme ça. Il faudrait que je rajoute un peu de relief. Mais je vais peut-être pas faire partir encore cet endroit en bois. Là, je vais partir un peu plus bas que l'autre. Et puis là, je finis ici. Et puis là, hop là là. À quoi est-ce que ça ressemble? Ça peut faire pas si mal. Ça manque de quelque chose. Si là, on fait. Hop. Et qu'on vient comme ça. That could be very nice. Comme ça ici. Et là, on va. Si on se la joue comme ça. Et puis là, peut-être faire notre espèce de petit balcon. Je vais finir ici, comme ça là, on pourra mettre un coffre double si on veut. En bas aussi. Et donc là, je vais mettre des escaliers à l'envers pour faire le bord de la chose. Si on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle en mettra ben, du verre simple, évidemment, et une grande baie vitrée. Donc là, on va continuer nos deux piliers jusqu'ici. Je me demande si je ferais pas partir un en bois, parce que là, on monte ici. On devrait faire celui-ci qui soit en bois. Ça ajoute un peu de profondeur, un peu de texture aussi plutôt que de la profondeur. Et puis ça fait il commence déjà à faire nuit, donc j'imagine que ça fait environ 10 minutes que j'enregistre. 11 minutes, ça avance vachement plus vite qu'en survie, ça je vous le dis. Et puis j'ai aussi aucune idée de ce que je fais, donc peut-être que je fais plus de merde qu'en survie, je prends plus de temps de réfléchir. Là, hop là, on s'en balance si on pète quelque chose. En survie, quand on pète du verre, on pète peut-être quelques heures de recherchage de sable et pour faire fondre aussi évidemment le sable pour faire du verre. Je m'en mêle, je suis désolé, ça doit être chiant à regarder presque. Voilà, donc là l'idée c'est qu'on a notre truc ici, on va continuer à mettre ça là, ça ici, et là on a donc notre couverture là sur une espèce de balcon. Et moi quand j'entre dans la maison, ce que j'ai envie de voir peut-être c'est, je vais peut-être faire un escalier par ici là. Je sais pas tellement. Là, si, admettons que je mette. En fait, de mettre un escalier ici, ça peut être pas si mal parce que si je fais par exemple qui commence ici. On va faire qui commence ici. Je pense que bientôt commencer à terminer un peu la maison, c'est-à-dire à terminer à la finir, hein. C'est pas pour faire une maison trop grande, c'était l'idée à la base. Allez, vas-y. Comme ça. Et là, et souvent, ce que je fais, comment je vais faire mon escalier? Comme ça?
la laine blanche. Is it going to work or not? Hop, un peu trop loin là. Et là, de nouveau, hein. Ça c'est vraiment un truc que je suis fan, ces nouveaux escaliers. Ça porte vraiment... Non, en fait, je vais mettre plutôt du... ça. Des bûches. Hop là. Purée, qu'est-ce qui s'est passé? Genre à 8, non à ça. Come on. Voilà, et puis là... comme ça en fait. Comme ça. Clac, clac, clac. Comme ça ici. Là on va pouvoir enlever ça. Et là on peut faire par exemple un endroit où on peut descendre. Je sais pas, un peu comme vous voulez. Hein. On verra par la suite. Je ne sais pas dit que je finisse à ce point la maison. Parce que voilà. C'est à vous de la finir si vous voulez. Vous pouvez essayer de la recopier, essayer de la refaire. Faites-la comme vous voulez. Ça m'encouragerait. Tiens, si je voyais des gens qui essayaient de refaire ce que j'ai fait, ça serait hyper cool. Le verre, il est où déjà? Vous pouvez me dire. Ah, voilà, il est là. Merci. Je l'ai trouvé. Ça ferait un truc un peu comme ça, là. Hop, une jolie vue. Et on se casse la gueule, mais c'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave du tout. Et là, on peut très bien se dire, ben voilà, là, notre maison va se finir par ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième bout comme ça. Hop, hop, hop. Ici, et puis là, je vais faire venir un de ces, comme ça, là. Comme ça, et puis là on va placer, ben, du coup le sol sera là, le sol sera là. Je suis pas tellement un tutoriel, hein. J'explique pas vraiment comment je construis, j'essaie juste de montrer un peu comment je construis et puis ma façon de faire, et puis après c'est à vous de voir aussi ce que vous voulez. Si vous avez des questions, ben, je vous réponds bien sûr volontiers. Si vous voulez que je vous montre d'autres choses, ou des trucs de déco, ou de je sais pas quoi, faites, demandez-moi volontiers, je fais ça avec grand plaisir. Et là, on va commencer, on va faire plutôt comme ça. Comme ça. Là, ça va être comme ça, ok. C'est un peu... J'essaie un peu que ces deux choses s'entremêlent. Là, si on se la joue... Comme ça, et là on passe. Hop. Is that work or not? Ça fait un peu bizarre d'avoir trois longueurs de bois. Ouais, ça semble plus juste. Ça semble plus juste. Après, l'idée c'est peut-être de connecter ça. Can I do? Oui, je peux. Connecter ça à cette partie là, hop, ce qui fait qu'elle viendrait comme ça. Là on met un nouveau support ici, et là on sort ça ici, et comme par magie, là il faudra mettre un peu une fenêtre. Alors je vais peut-être la commencer là, je vais peut-être bloquer ici, et on va la commencer. Si je bloque aussi là, ça va peut-être pas le faire. On peut faire une aussi grande fenêtre. Mais il faut que je finisse encore ce bout ici, là. Donc on va la porter jusque là. Ça aussi. Ça là, comme ça, comme ça. Et là, on va connecter ça ici. Et c'est magique. Je lag pas mal, hein. Je lag de la tête. Je sais pas si vous aviez déjà vu ça. Comme ceci. Et là, forcément, pour apporter... Ouh, purée, l'éclairage que ça fait.
C'est assez énorme. Je vais peut-être finir la structure, puis après je pense qu'on va dire que j'ai fini ce bout de vidéo là. Après on finira aussi par le reste, hein. Ça fait un peu carré là. Ouais, ça va, ça va, ça va. Là on va ramener ça ici, et puis là on va faire du verre depuis ici. Hop là. C'est une technique d'éclairage, ça comme ça vous avez un étage qui est bien éclairé. Et puis tout le reste ben, suit aussi. On va voir comment est-ce qu'on peut éclairer notre étage. Ici, comment on va faire? Est-ce qu'on ferait pas revenir? Fiche le camp, mon gars. Connard de merde. Mais c'est pas vrai. On désactive où les creepers? Bon, du sable, du sable, du sable. Du sable, sinon je vais péter un câble. Alors, hop, 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 voilà, merci Creeper. Bon, j'allais dire, je suis aussi un peu couillon de l'avoir touché. Voilà. Ceci étant réparé. Là, on va repartir avec ça, et comme par hasard, tout rentre à merveille. Tout rentre à merveille, tout va super bien. Ici, à voir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut mettre du verre ici? Est-ce que. Bon, je pense que là, de toute façon, il va falloir que je ferme à quelque part. Ça va pas aller ici, peut-être là. Voilà. C'est toujours difficile comment finir une maison. C'est toujours, je sais pas si vous, c'est pareil. Alors moi, des fois, je peux galérer pendant un moment, mais alors, jamais vu ça. Si là, on se dit, on met des dalles. That could be working. That could be very much working. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah tiens, on va mettre peut-être des barrières, tiens. Tout bêtement. Tout bêtement ou pas, tout bêtement, hein. Si je fais comme ça, au moins, ça finira peut-être bien la chose. Mieux, ça fait être un peu plus symétrique aussi. Peut-être que vous avez une préférence pour ça, je sais pas. Et puis là, on n'est pas obligé de mettre ça. On peut plutôt les faire commencer ici comme ça. Ouais, en fait, ça fait plutôt une maison moderne. Les barrières, c'est plutôt pour les maisons survie. Alors, on va mettre des vitres parce que la maison moderne a des vitres. Et puis là, on va mettre ça sur une deuxième. Une autre profondeur qu'en haut, toujours avec la sandstone, hein, on n'oublie pas. Très très important. Ici, 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 on va continuer à descendre ça, comme ça. Voilà, comme ça c'est fermé, c'est parfait, elle est belle. Et puis maintenant, l'idée c'est d'apporter un poil plus de relief à ça, en ajoutant un peu des demi-dalles, un peu où on veut. Donc, il faut encore que je ferme tout ça. À voir comment est-ce que je vais fermer. Je vais peut-être faire un peu des parties. Peut-être que je me la joue un peu comme ça. Là. Comme ça. Ici, là, la laine, je vais la faire monter depuis ici. Comme ça, là, on a un coin où on peut mettre ça. Ça sera. Parfait, parfait, parfait. Ouais, mon sol arrive à cette hauteur-là. Ici. Là, c'est un pilier qui monte. Alors, on va le faire monter jusque là, comme ça. C'est pas terrible, mais j'ai pas tellement le choix en fait. Peut-être que je remodifierai peut-être un peu.
un petit peu des trucs au fur et à mesure de l'avancement du reste de la maison. Mais pendant ce temps-là, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si on met ça... Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Ce que je verrais peut-être, c'est comment faire ça? Comment faire ça? Ah, ça peut être cool comme ça. Ça peut être cool. Alors on va pour ça. Et puis là, eh ben... Ah, un peu trop de verre quand même. Oups là, pardon, je t'ai démonté. Je voulais pas. Ce qu'on va faire, c'est ça. Là, de toute façon, on va rien voir. Donc on peut très bien faire ça comme ça. Quelque chose dessous, donc voilà. Là, si... Voilà. Comme souci. Youp là. Et on repart ici. Là, vu qu'on a du verre, ce qu'on peut peut-être... Ah bah ouais, ce qu'on peut faire, c'est... lier ça à ça. Et puis faire venir le verre... jusqu'ici. Comme ça, on a une jolie petite... petit bout comme ça, là. C'est mucho nice. Mucho, mucho nice. Et là, ce qu'on va peut-être faire, c'est si on fait sortir ce pilier en bois là, ici, encore un cran ici. Puis là, on se dit que ce cran là, il va jusque là. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Et là, on va faire une vitre qui va venir jusque là-bas. Une longue vitre. Assez comme ça, voilà. Assez même totalement. Totalement comme ça. Et là, le truc, c'est que... On va peut-être faire venir la laine jusque là. Et là, on va mettre... j'espère que le jour va pas bientôt redescendre parce que ça veut dire que j'aurai fait 20 minutes de vidéo et que je vais devoir vous laisser pour cet épisode, mais on se retrouvera pour le suivant évidemment, ça c'est clair et net. Et là, hop, on prolonge, on joue les prolongations ici comme ceci, ici aussi hein, évidemment on continue vraiment tout autour, on joue les prolongations. Clac, comme ça. Là, comme ça. Là, ça fait... Oup, là. Peut-être un peu vide. Si on fait une ouverture là, une ouverture là, une là, une là. On va pouvoir mettre de la vitre comme ceci, comme là, voilà. Ça donne pas mal de relief. Ça donne pas mal de relief. Si... On se dit, tiens, il nous faudrait peut-être un peu une barrière, là, comme ça, pour bien tenir les choses ensemble. Ça peut le faire, je crois. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Là, on va... Toujours dans un souci de relief. Vous l'aurez compris, évidemment. Hop là. Comme ça, ça peut être sympa. Là, ça manque aussi un peu de relief. Oh, puis il me manque un truc.
Comment est-ce que je vais finir? Est-ce que je fais descendre le pilier ici? Ça fera un peu comme de l'autre côté, j'ai pas forcément envie. Si je fais ressortir le bois, ça irait pas tellement parce que ça ferait deux matériaux qui sont un peu connectés comme ça. Mais ça serait quand même pas mal. Let me think. Think. Ouais, bon, écoutez, on va se la jouer à la facilité pour cette fois. Peut-être que je ferai des appartements peut-être un peu plus élaborés une prochaine fois, on verra. Mais je suis pas mécontent du résultat, je dois quand même le dire. C'est pas une des meilleures maisons que j'ai faites, mais c'est pas mal, c'est pas mal. On se débrouille pas mal. Là, par contre, c'est un peu trop. Ici, on fait venir. Ouais, bah allez, écoutez. À ce point, ouais. À ce point comme ça. Et puis, là, est-ce qu'on se la joue? On va se la jouer, genre, je descends comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, ici, ici. Ici, ici, ici. Ici, ici, ici. Ici, ici, ici. Ici, 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 ici. Ça fait un peu pas de def comme ça. Peu pas de def. Hop. Is that right? Et si on fait grossir? Not bad, I mean. Not bad. C'est plutôt, ma foi, assez sympa. Là, ça fait un peu plat. Je peux peut-être faire, c'est rajouter, si ça fait plat un peu de ce côté-là, ce que je peux faire, c'est ça. Prendre comme ça. Faire comme ça et là mettre des. Et là même ce qu'on peut faire c'est encore une fois ici comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà, bah je pense que la nuit descend, ça fait une vingtaine de minutes que j'enregistre normalement. 31, rien à voir avec 20 minutes. Merci de m'avoir suivi pour ce premier. Ben, pour ce premier épisode, on se retrouve tout de suite, ben, je pense peut-être tout de suite, je sais pas tellement, pour. Ah, oh, bien joué, mon gars. Aïeux. Ah non, c'est qu'en survie. Ben, vas-y, fais exactement pareil, ça me ferait tellement rire, quoi. On se retrouve tout de suite pour. Enfin, tout de suite, peut-être, tout de suite, pour le deuxième épisode. On va faire un peu. Peut-être le sol, un poil d'extérieur, un peu de lumière, rajouter un peu de verdure un peu autour de tout ça, faire une barrière, une sorte de protection, qu'on soit vraiment à la maison. Et puis, ben voilà, je pense que ça va pas durer plus de deux ou trois épisodes. Beaucoup plus facile à suivre que n'importe lesquels. Et puis voilà, merci de m'avoir suivi, ciao!